un coup de sarcelle. Après le reste, je suis à peu près sûr. Ouais. Le coup de sarcelle, le dernier que j'ai pris, je suis pas encore sûr à 3000% qu'il soit accompli. Après, je sais que les autres, ils seraient bons. D'accord. On va aller mettre ça. Je suis content, on va le siffler, il chante bien. Ça va, t'es bien calé? Si on n'est pas trop mal, c'est trop bien. Faut pas être gros pour rentrer là-dedans. Faut pas être gros du tout. Il y en a un qui tweet plus régulièrement et l'autre qui tweet plus fort. Ouais. Ça se complète. Attention. Putain, je sais pas ce que c'est en face là, mais c'est la lumière là. Non, pour moi il n'y a rien. Hein. Ok.
Il fait froid. On n'est pas venu ici pour enchaîner des pierres. Hein. On a eu un beau bris. Hein. Ouais. Ouais. Là aussi, c'est trop beau derrière. Ah oui, qu'il est bien tordu. Hein. Je sais pas comment tu fais. Bon, salut tout le monde, on vous retrouve le lendemain d'une nuit au Uto, en baie de Somme, pour vous faire un petit peu une petite rétrospective de ce qu'on avait pu vivre. Donc, j'ai passé ma nuit avec Victor, qui m'a gentiment invité. Merci à toi, encore une fois. Donc ouais, on est arrivé, on est arrivé sur place, il était quelle heure? Il était 14h. 14h, 14h30, oui. Un bon poids. On s'est mis à un endroit où la plaque a été plus grande. Mm-hmm. Et puis, là, on s'est dit que c'était bon, donc on s'est installé. D'accord. Donc comment ça se passe en plus pour faire le tour? J'ai vu que t'as une réglementation assez particulière. On a droit qu'à 6 sauvagines. 6 sauvagines, et ouais. Il faut, à partir du coucher du soleil, rentrer dans le tour et pas le droit de sortir pendant une heure. D'accord. Et pas le droit de tirer au vol la nuit. D'accord, ok. Donc ça, c'est bien spécifique. C'est spécifique à la baie de Somme ou c'est comme ça sur toutes les baies? Je pense que la baie de Somme, ouais, en tout cas. D'accord. Ouais. Autre chose qui m'a surpris, que j'ai encore jamais vu, tu fais des petits palets de sable, ouais, pour faire de la masse. Et franchement, ça fait le taf, hein, parce que de loin, quand on se déplaçait des fois, quand on a changé pour monter, quand la marée montait, ça se voyait de loin. Ouais. Notre paquet d'abattage, on se fait pas chier, on fait des palets, ouais, de sable. Vous avez raison. Ça pèse, ouais, moins lourd. Et donc aussi, une autre particularité du Uto, c'est qu'on peut pas passer la nuit, toute la nuit d'un seul coup. C'est qu'il faut remonter avec la marée. Ouais. Donc là, on a remonté vers quelle heure? On est reparti vers 22h30, un peu tôt, ouais, mais on a assuré le coup pour pas se faire avoir, ouais, parce que comme la mer, elle remonte, pas perdre, bah, ses gibiers, c'est, ou... Bah c'est ça quoi, c'est surtout ça quoi. Donc on est remonté, tout se trimballé de nuit, hein, bien sûr il fait nuit, hein, jusqu'au, bah, quasiment à l'entrée de la baie quoi, ouais, pour se mettre au sec et en attendre que la marée va redescendre. Et on était opérationnel à partir de... On est reparti à minuit et on, ouais, était prêt à 1h30. 1h30 par là. C'est une chasse qui a vraiment son charme, il n'y a pas grand monde, moins en moins de personnes, non, qui disaient qui la pratiquent. Mais on voit toujours quelque chose. C'est ça, c'est vrai qu'on avait toujours quelque chose à regarder. Toujours, c'était pas tirable, non, souvent, pas forcément. Mais c'est pas grave, ça, on en prend toujours plein les yeux. Que ce soit les petits bécasses aux minutes, les pies qui passent tout le temps, les tas de rondes, tout ça, et j'en passe. Hein. On a quand même une pause. Bien, oui, heureusement, tu me rappelles. Deux même. Deux pauses. Une, la première à 8 pieds de mer, ouais, ça, à peu près, ouais, qui sont posées loin. Qu'on a rapproché, qui sont vachement bien rapprochés, t'as loupé. Bon, c'est comme ça, ça arrive, arrive, hein, ça arrive. Ça fait partie de la chasse. En tout cas, c'était une belle action. Et puis là, quand le jour se levait, ouais, à peu près, ouais, vers 6h, une sarcelle. Une sarcelle dans les pâtés, justement. Ouais, bah non, ouais, voilà. Comme quoi, c'est efficace. Donc dans les pâtés, ouais. Qui a posé quasiment renvolé instantanément. Ouais, ouais. À peine le temps que tu les prends les jumelles pour voir ce que c'était, ouais, c'était déjà reparti. Donc bon. C'est comme ça, en tout cas, une très belle expérience pour moi, franchement, super type de chasse, pour moi, c'est admiratif, hein, de ces types de chasse. C'était une belle nuit? Ouais, une nuit bien sympa, ça c'est sûr. Bon bah voilà, c'est le temps de nous quitter, moi je vous dis à la prochaine, pour une autre vidéo de chasse à la hutte, chasse tout court. Salut tout le monde. Salut. Et Victor.